sens. Ménard. Damas. L'interception. Mais oui, l'interception de Thibaut Neves qui avait senti le coup. Et le premier essai est en faveur des Béarnais. Le premier essai pour la sélection paloise. Après presque 10 minutes, c'est Pau qui bat en premier dans ce match. Belle initiative de Thibaut Neves qui était dernier défenseur sur les extérieurs alors qu'il y avait un surnombre toulousain. Romain Intermac qui allonge sa passe, qui malheureusement a bien vu au dernier moment que Thibaut Neves avait bien lu la course du ballon pour venir intercepter juste avant Arthur Bonneval et aller inscrire ce premier essai entre les poteaux. Là, on le revoit en corrélation, hein, le surnombre toulousain. On a voulu aller chercher les extérieurs rapidement. C'était sans compter l'anticipation du jeune de Baez. Première feuille de match cette saison. Lui qui est international avec les moins de 20 ans. Il n'a pas encore 20 ans, dans un peu plus d'un mois. Alors attention. Marqué le premier. Devant le stade toulousain. Ça peut les agacer. D'accord, enfin ce qui est pris n'est plus à prendre. Il vaut mieux que ce soit Pau qui marque que les Toulousains et enchaîner. 7-0. 7-0 pour Pau sur la pelouse de Toulouse. Après 11 minutes dans ce match. Et retour en jeu de Rory Arnold, tandis que Thibaut Daubagnan est toujours aux soins dans le vestiaire. Suturé quand même, hein, quelques points de suture pour lui après son choc assez impressionnant en début de match.